à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau jour. Donc il est 15h45, on est vendredi 1er novembre. Donc aujourd'hui, c'est férié. J'espère que vous avez passé une bonne fête d'Halloween. Enfin, je sais pas si vous fêtez Halloween, mais voilà, moi j'ai rien fait de spécial. Enfin, j'ai pas fêté quoi. Moi non plus. Donc voilà, je suis dans la chambre d'Amandine. Il y a Amandine sur son lit, elle vient de se mettre les lentilles. Un peu souffert, mais voilà. Moi d'ailleurs aussi, j'ai mes lentilles claires. Donc aujourd'hui, journée très spécial parce que comme vous pouvez voir mes cheveux, ils sont catastrophiques vraiment. Du coup aujourd'hui on va faire un changement capillaire. Je vais faire une coupe de cheveux que j'ai jamais fait de ma vie. Je vais faire une coupe au carré. Je vais couper peut-être tout ça. Voilà, parce que comme vous pouvez voir, mes cheveux ils sont hyper abîmés et tout. Et je vais me faire une teinture aussi, ma mère elle va le faire tout à l'heure. Je sais pas si elle a du noir, mais bref. Voilà, mais regardez l'état de mes cheveux, ça fait hyper longtemps que je les ai pas coupés. Et ils sont trop moches, ils sont tout fins, ils sont horribles. Et en même temps j'ai hyper peur. Enfin je sais que c'est que des cheveux mais je sais pas, je sais pas si ça va m'aller genre couper tout ça et tout, je sais pas. Quand j'étais petite seulement, quand j'étais très très jeune, j'avais les cheveux jusqu'à là. Mais voilà, après j'ai toujours aimé les cheveux longs. Mais j'ai envie de changement et en plus je pars lundi donc je pense que les cheveux courts ça va être plus pratique aussi pour les vacances. Grave. Genre j'aurais pas à me coiffer et tout là, vraiment ils s'en mêlent et tout après la douche. Regardez comment ils sont tout fins, ils sont tout moches. Ça fait hyper longtemps que je les ai pas coupés, ça fait peut-être 2 ans. Je peux dire d'autres. Est-ce qu'il y a des disclaimers à faire dans ce genre de vidéo? Donner tes cheveux à des assos. Ouais, bah je sais pas. En fait, mais on m'a dit ça aussi dans ma vidéo précédente. Donc, on se coupe les cheveux, c'est bien de les donner. Mais comment tu veux donner des cheveux aussi pourris? Enfin, qui va les utiliser? Enfin, c'est pourquoi? Enfin, je sais pas. Après, pourquoi pas, hein, donnez-moi des adresses en barre d'infos. Voilà, regardez mes cheveux, j'en ai marre. Ils sont pourris, quoi. T'as vu? Genre, en fait, quand je me les lave, genre, des fois, j'ai pas le temps de me les coiffer et tout. Moche, quoi. Du coup, je vais les teindre en noir, mais noir foncé, parce que j'ai jamais fait de teinture sur mes cheveux. Enfin, que des petites mèches par-ci par-là, quoi. Mais j'aimerais bien avoir les cheveux comme Amandine, mais peut-être plus foncés. Et les couper, parce que là, oh my god, j'ai envie de vomir. Limite, quand je regarde mes cheveux, j'ai envie de vomir. Je vais prendre quel ciseau? Donc là, ça va pas du tout être professionnel. Je vais juste, en fait, à m'amuser à couper comme ça et après ma mère elle va reprendre tout, elle va bien faire et tout, mais là je sais pas, j'avais trop envie de couper. Tous les jours là depuis ces dernières semaines je me suis dit putain j'ai envie de couper et tout. Il faut faire comment alors pour couper? Du coup on attache avec un élastique. Ouais, ça des élastiques. J'ai vu la technique sur TikTok. Ah ouais, super. J'ai grave peur. Chaque côté tu t'attaches. Alors là mes cheveux je pense qu'ils font quoi, 30 cm? Non je sais pas, je dis ça mais je sais pas du tout plus. Mais attends, je coupe jusqu'où déjà? Je coupe jusqu'à là? Jusqu'à là? Non, moi je vais te choisir. Ah non 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 non. Bah un peu blond si tu veux que maman reprenne déjà. Oui ouais ouais ouais. Là. Ah attends, mais en fait là où tu mets les élastiques c'est là où il faut couper. Ouais, juste en dessous. Je peux te faire une... Je peux te le faire. Bah un côté seulement, mais toi Si. T'es sûr? Attendez, attendez. Moi. Chacun fait à sa grande sœur. Attends, tu es pas prête psychologiquement là? Attends, mais attends. Ouais, tu l'as mal mis lui. C'est toi qui l'as mis, tu dis ça? Mais c'est toi qui l'as fait. Ah. Super conne. Ah. En fait en gros je vais couper comme Amandine, mais genre je sais plus comment elle est ta coupe en fait. Mais un peu tu plus veux une photo? Ouais ouais, un peu plus long genre là. Ouais, en fait je sais pas si je les veux là, non au dessus de la tête ça va pas. Bah maman de toute façon quand elle va te couper, elle va te couper encore un peu plus tu vas voir. Ouais ouais c'est vrai. Non mais oh, remonte un peu là. Attends mais là comme ça on coupe là et puis après on verra. Oh, monte un peu. Non mais on coupe là Amandine. Bon d'accord. Parce qu'il faut les attacher, on est obligé de les attacher. Okay. Mais non mais moi je comptais. Attends. Je comptais faire comme ça. C'est plus. Ah en ça bas va plus être carré oui. Bon. Vas-y. Attends, remonte tout. Vas-y bien ta longueur. Mais j'ai vraiment peur que ce soit moche parce que enfin elle a trop peur moi quand je me coupe les cheveux, Bah oui, tout le monde me dit ouais, ça va repousser mais oui, mais bon, ça va repousser dans 3 ans quoi. Ouais, toi tu mets du temps à avoir tes cheveux longs, moi ça repousse à rien. Ça va, ça pousse vite quand même mais t'inquiète pas, j'ai de l'huile de ricin. Mais bon, enfin voilà, mais de toute façon, j'en ai marre des cheveux longs, ça me saoule, enfin c'est bon. I'm over it. Mais parce qu'en fait, j'ai les cheveux fins et du coup les cheveux fins, je sais pas. Moi j'ai les cheveux archi épais et les cheveux courts, je trouve c'est un peu moche. Mais putain, j'ai trop peur. Mais est-ce que c'est pas la bonne taille? Quoi, il faut faire où? Oh non, mais j'ai trop peur. Vas-y, au revoir mais mais un peu plus bas. Attends-moi. Vas-y, je crois c'est moi je veux. Attends, non, pas maintenant. Attends, il faut que je fasse quoi là? Attends, laisse-moi réfléchir. Mais regardez tout ce qu'on va couper. Attends, tu me fais pas 3-2-1 comme les vaccins. Bon, c'est comme les vaccins. Mais oui. Ah, les vaccins, ils font ou les piercings là, ils font 3-2-1 et après ils me coupent direct alors que j'ai pas dit oui. Alors attends. J'ai peur. Attends, tu coupes là? Mais tu coupes bien. Mais est-ce qu'il coupe bien? Oui, je suis sûre que ça va pas faire en une fois. Moi, je veux que ça fasse comme ça. Schlap. Bah, en fait, j'ai eu l'habitude de me couper les cheveux plusieurs fois. Genre, je me fais des dégradés et tout. Mais en fait. Mais aucun ciseau vont faire ça une seule fois déjà. Bon, vas-y. Attends. Oh my god. Vas-y. Non. Oh my god. Oh my god, j'ai trop peur. Amandine, tu vas me couper court. Et Amandine, tu me. Oh merde. Oh regardez. Non mais attends, mais c'est ça que je voulais. Attends, bouge pas, Astrid. Bouge surtout pas. J'arrive pas à y croire là. Je me sens pas bien. Non mais Amandine.
Stop it. Non mais... En plus le but c'était pas que j'en mette partout dans ta chambre. Regarde, j'avais bien là. Mais viens, je crée une mode genre un côté court, un côté long, non? Ouais, c'est bien. L'autre côté maintenant. Mais attends, mais c'est trop moche. Non, mais laisse comme ça, tu vas faire le résultat à la fin. Attends, mais t'as pas montré la scie qu'il faut l'attacher? Alors, nous avons un pinceau. Un pinceau, ouais. Ah, il y a plein de poils ici. Ouais, c'est ça que je voulais pas. Ouais, mais bon. Ouais. On y perd. Et c'est ce ponytail. Ah, c'est horrible. Ouais, putain, mais on dirait un truc. On dirait un poisson mort. Ouais, putain. Ponytail. Essaye de couper, ouais. Le bruit que j'entends, ça fait. Ah, mon dieu, rate pas. Attends. Non mais ça les bons on s'en fout. Qui l'a plus stressé, Astrid? Ouais non mais là on coupe 15 cm de cheveux frère. Bon je peux enlever là? Tiens mais... Oh, mais attends. C'est... Putain, mais j'arrive pas à y croire là. Vas-y 3, 2, 2 1. Mais je suis sûre c'est... Non Amandine c'est trop court. Oh la douleur, c'est trop court. Mais n'importe quoi c'est bon. Oh non c'est super court. Si c'est bien. Choukinette t'es trop mimi. J'ai envie de pleurer. Raconte une anecdote, Astrid à chaque fois qu'elle se coupe les cheveux elle pleure. Ouais parce qu'on coupe trop court. Mais c'est pour ça que je veux pas qu'on me coupe les cheveux. Oh, attends, je suis pas non ça me va grave bien avec les cheveux. Non attends, non mais en fait il faut que ma, okay, faut que ma mère elle reprenne aussi. Non mais c'est trop court. Ça te va bien? C'est super court, c'est à dire que maman elle va me couper encore plus court. Mais ça fait de l'épaisseur de ouf hein. C'est beau. Regarde touche. Ça te va bien hein. Je... Oh my god. I'm dying. Je sais pas, mets tout d'un côté pour voir. Ouais il faut peut-être que je fasse un truc comme ça genre. Peut-être c'est trop carré, non? Non, c'est bien. Ah, Amandine, putain, ouais, je m'attendais pas à ça, ma tête, je l'avoue. Oh, non, c'est trop court, là. Oh, putain, je suis pas bien. Mais non, ça te va bien, je trouve, avec les yeux bleus. Oui, avec les yeux bleus, avec les yeux marrons, est-ce que ça va m'aller? Ça te va bien, hein. En fait, il faut que là, mes cheveux, ils soient teints. T'es mimi. Il est lissé. Mimi, franchement... Essaye de te prendre en photo pour moi. On va faire une photo ensemble. On sera sœurs jumelles. C'est trop court, là. Non? Non. Non, c'est grave bien, moi, je trouve. Tiens, ah non mais c'est bizarre, putain, oui, je suis pas bien là. S'il te plaît. Non mais même tout me faire essayer. Non mais ah, oh putain. Oh belle gosse. Viens, je te lisse. J'essaye de te les lisser. Non mais en fait c'est trop court. Je te jure c'est vraiment court. Mais non c'est bien là. Moi je les voulais plus longs que ça. Genre mais là elle va me rattraper, elle va me couper jusqu'à là, je vais pleurer, je te jure. Mais non. Mais non mais c'est beau, arrête d'abuser. Non 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 non, moi j'aime pas. T'aimes pas? Ouais, j'aime pas. Je crois que bah t'as des extensions de toute façon. Non j'en ai plus. Ah merde. On dirait une autre personne là, on dirait pas que c'est moi. Genre on dirait dans bah, sosie. Bon, après ça repousse, je sais que vous allez dire je fais grave truc. Mais imaginez-vous couper 20 cm oh, c'est abusé. Ouais surtout si t'as jamais coupé de ta vie genre. Ouais. Bon je sais pas, on va voir. On va voir après la teinture et tout. On va demander l'avis de maman. Peut-être j'aime bien mais en même temps genre je suis pas habituée. Il faut que je m'habitue. Regarde maman elle m'a coupé les cheveux. Mais c'est trop court. Je sais pas, il faut que tu me rattrapes, il faut que tu me teins les cheveux. Parce que là je me sens bizarre. Égalisé. Ouais égalisé. Ouais mais peut-être en dégradé ça. Non je veux pas dégrader là, mais là c'est trop court pour avoir un dégradé mais... Non si tu peux dégrader juste. Oh non 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 non. Pas de carré plongeant please. Numéro 3. T'as pas plus foncé? Non. Ok bah c'est bien ça déjà. Petite teinture qu'on va attendre 20 minutes. Ok. Alors, là, j'attends 20 minutes, ma mère m'a fait tout ça. Ça me brûle un petit peu, là. Alors, j'ai jamais fait de teinture de ma vie, donc voilà. J'ai une tête d'alien. Bref, je vais l'aspirer en attendant. Mon père, il dit que j'ai un œil au beurre noir, je trouve pas. Bon. Là, en attendant, je me fais un petit sandwich. Là, Martine, elle se fait frais, du coup, aussi. Voilà. Franchement, huile d'olive et concombre, c'est grave sain. On dirait que ça a pas de goût et tout, mais franchement, c'est super bon. Et tomate, huile d'olive aussi. Grave, grave bon. J'ai rajouté des oignons frits. Pas très intéressant, ce bug. Désolée. Donc, ma mère, elle a fini de me faire les cheveux. Êtes-vous prêts? Bon, là, vous pouvez voir comment c'est teinté. Il te manque une boucle d'oreille. Oui, bon, il manque une boucle d'oreille parce qu'on a fait des photos en fait. Et je me suis. Ma mère, elle m'a fait un brushing et tout. Genre, elle a trop fait un bon travail. Êtes-vous prêts? 3, 2, oh, trop beau. Oh my god. J'adore. Je sais pas si vous vous rendez compte là. Eh, mais je suis une autre personne. Mais grave, c'est trop beau. Genre vraiment, je suis une autre personne. Genre, regardez comment ça brille maintenant. Genre, on dirait plus que j'ai les cheveux pourris.
Vous voyez ou pas? Genre c'est trop c'est haut. Du coup dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais genre bon c'est vrai que ça change de ouf, mais il me fallait vraiment du changement parce que je te jure ma tête elle me saoulait. Voilà. Vraiment quand tu te vois tous les jours avec la même tête c'est chiant quoi. Je suis Noetsy 2.0. Donc là on essaye de faire des petites photos Instagram. Au final franchement au début quand tu coupes comme ça, enfin t'as peur et tout, mais en fait moi, j'aime dit. Trop, ouais, j'aime trop le résultat. Donc voilà. Et franchement la teinture c'est vraiment le meilleur truc que j'ai fait de ma vie là. Bon voilà, je sais pas quoi dire d'autre, on va faire quelques petites photos, puis je vous rejoins, enfin je vous retrouve tout à l'heure. Il faut que je montre à Amélie. Mon père il a dit que je ressemblais à Mireille Mathieu, enfin rien contre Mireille Mathieu, hein, mais je veux dire il m'a dit ah bah il y a que des Mireille Mathieu dans la maison. Ouais, il a dit qu'on se ressemblait. Ouais, qu'on se ressemblait toutes maintenant. Mais il me fallait vraiment ce carré là parce que mes cheveux, waouh. Mais c'est trop bizarre, genre je me sens bizarre. J'aime bien ce changement. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est vrai que c'est un changement très très radical. Mais voilà, il me fallait du changement. Donc voilà, donc là on est allé manger tout à l'heure vite fait, donc c'est pour ça que je me suis encore changée. Donc voilà pour cette petite vidéo haircut. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si j'ai l'impression que la vidéo était super courte, mais au moins voilà, j'ai filmé ce moment là et ça faisait longtemps que je voulais couper mes cheveux mais j'avais jamais osé. Du coup voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, dites moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi franchement j'aime beaucoup et là je regrette pas, je regrette plus maintenant vu que j'aime bien. Il faut que je voie maintenant cette coupe sans lentilles bleues avec mes vrais yeux, mais je pense que ça devrait le faire. Ça donne beaucoup plus de volume en fait, j'ai beaucoup plus d'épaisseur, genre c'est trop bizarre. Et j'espère que je pourrai m'attacher les cheveux comme j'ai l'habitude de faire, mais je pense que oui quoi. Voilà, je m'attache les cheveux comme ça. C'est juste maintenant j'ai plus de queue de cheval quoi, mais ça devrait le faire. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.